Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Retrouvez plus d'infos en fin de vidéo. On dit que les chats retombent toujours sur leurs pattes. L'histoire d'aujourd'hui va vous montrer que les humains aussi le peuvent. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire incroyable d'Alan Magee, qui a survécu à une chute libre, sans parachute, de plus de 6000 mètres d'altitude. Nous sommes en 1942, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment du conflit, les Alliés mènent des raids aériens sur la France occupée, et en particulier sur la côte atlantique, où le mur de l'Atlantique et les bases navales tournent à plein régime. La ville de Saint-Nazaire abrite une base sous-marine allemande très importante, qui ne fait alors que s'étendre depuis sa création l'année d'avant. Le but est de protéger les sous-marins des attaques aériennes des Alliés quand ils reviennent à terre pour le ravitaillement et la maintenance. Les sous-marins allemands mènent alors des attaques dévastatrices sur les convois de ravitaillement en Atlantique et on compte bien y mettre fin. Cible permanente des bombardements, le toit de la base, constitué de béton de 9 mètres d'épaisseur, résiste parfaitement bien aux multiples raids, mais les Alliés ne lâchent pas l'affaire. Il faut rappeler qu'un bombardement, à l'époque, ce n'est pas très précis. En fait, c'est pas précis du tout. C'est aussi pour cette raison que des tonnes de bombes sont déversées pour viser quelques objectifs et que les bombes qui n'atteignent pas les objectifs frappent des zones habitées. Les plus grosses victimes des bombardements alliés sont alors les populations, ce qui constitue un argument de choix pour la propagande de Vichy et arrange bien les affaires des Allemands, qui voient dans les civils un bouclier humain parfait. Alors que les Allemands effectuent des travaux pour agrandir les installations, les Américains préparent une nouvelle offensive pour le 3 janvier 1943. Le but, détruire un stock de torpilles allemandes. On assigne cette mission à plusieurs groupes de bombardements américains équipés de B-17 Flying Fortress et de B-24 Liberator. Ce n'est pas moins de 72 B-17 et 12 B-24, escortés par 16 Spitfire, qui se lancent à l'assaut de Saint-Nazaire. Ils décollent à 9h et prévoient de démarrer l'attaque à 11h30. Dans un des 72 B-17 se trouve un jeune aviateur de 24 ans, le Staff Sergeant Alan Magee. Originaire du New Jersey, il s'est engagé suite à l'attaque de Pearl Harbor en 1941, qui marque l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Il est affecté en tant que mitrailleur d'un bombardier B-17 nommé Snap, Crackle, Pop, en référence aux mascottes de la marque Kellogg's dans les publicités de l'époque. En fait, la raison est simple. Le capitaine Jacob Friedrichs, un des pilotes de l'avion, était, avant de s'engager, un cadre chez Kellogg's. Les trois personnages ont d'ailleurs été peints sur le nez de l'avion avant son départ pour l'Angleterre par un artiste de la marque. Depuis, stationné sur la base britannique de Molesworth, le bombardier a déjà mené 4 missions réussies au-dessus de la France. Les B-17 Flying Fortress ne portent pas ce nom de façon anodine. Capable d'emporter un équipage de 10 personnes, soit 2 pilotes et 8 mitrailleurs, il est conçu pour être très résistant aux assauts des avions de chasse et les tirs des unités anti-aériennes. Sa mission principale est bien sûr le bombardement, puisqu'il peut emporter près de 3 tonnes de bombes, mais ce qui en fait une vraie forteresse, c'est la disposition de ces mitrailleuses de défense qui permettent de couvrir tous les angles, à la fois sur les côtés, le dessus et le dessous de l'appareil. Et Alan Magee, lui, est affecté à la Bolt Turret, probablement le pire endroit de l'avion, mais aussi le plus insolite. D'un design qui semble encore futuriste de nos jours, cette tourelle peut se mouvoir sur 360 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement, ce qui fait que le mitrailleur installé à l'intérieur peut couvrir absolument toutes les zones sous l'avion. En revanche, cette position a plusieurs inconvénients. D'abord, la taille de la sphère oblige le soldat à être de constitution plutôt modeste et doit adopter une position fœtale qui est particulièrement inconfortable durant les 10 à 12 heures que peuvent durer une mission. Pour entrer dans la tourelle, il utilise une porte à l'arrière de la sphère, ce qui pose des problèmes puisque pour accéder à l'avion, la sphère doit s'incliner vers le bas, ce qui n'est pas possible au sol. Autant dire que là aussi, c'est pas le confort. Pour finir, pas de chauffage dans la sphère. Conçu pour voler assez haut, le vol en B-17 inflige alors au mitrailleur de la Bolt Turret des températures glacial.
Et en ce 3 janvier 1943, donc, Alan Maggie est dans la Bolterette du B-17 qui fait route vers Saint-Nazaire. Les attaques de jour se sont démocratisées du côté des Alliés, et les hommes savent à quoi s'attendre, Saint-Nazaire étant si bien protégée qu'elle a hérité du surnom de Flak City, du nom des redoutables canons anti-aériens allemands. Pour Maggie, c'est la 7e mission, et la 5e pour le B-17 Snap Crackle Pop. Maggie est le plus expérimenté de l'équipage. Le pilote ce jour-là, le capitaine Arthur Adams, n'a que 19 ans et ne totalise que 2 missions à son actif. La météo est clémente et la visibilité est bonne. Mais à l'approche de la ville, le ciel se remplit des explosions des obus anti-aériens et les chasseurs allemands, les Focke-Wulf 190, arrivent très vite pour en découdre avec les Américains. Les combats sont violents, le B-17 résiste bien, jusqu'au moment où un obus de flak frappe directement la Bolterette de Maggie. Sa tourelle est en HS, légèrement blessée mais encore en vie, il rejoint l'intérieur de l'avion et constate que son parachute de poitrine a été totalement détruit. Il s'en débarrasse alors et va vers la soute à bombes sans vraiment de plan de survie. C'est alors qu'un chasseur allemand lâche une salve de mitrailleuses sur le bombardier qui détruit l'aile droite. Au même moment, un autre obus anti-aérien frappe la carlingue et l'avion, désormais en feu, à plus de 6000 mètres du sol, tombe inexorablement. Maggie, blessée un peu plus par la seconde explosion, tombe de l'avion par le trou formé par le dernier obus. Il est en chute libre, sans parachute, et tombe dans les vapes par manque d'oxygène. Après cette chute vertigineuse, Maggie traverse la verrière de toit de la gare de Saint-Nazaire et finit au sol. Il est grièvement blessé à cause des explosions dans l'avion et de l'acier et du verre du toit de la gare, mais il est bien vivant. Il est capturé par les troupes allemandes et emmené à l'hôpital. Seuls 2 autres membres d'équipage de l'avion ont survécu. Ils ont sauté en parachute et ont été ensuite capturés par les Allemands. Les 7 autres hommes, dont le pilote de 19 ans, ont été tués. Dans le raid, d'autres B-17 ont été détruits, pour un total de 75 Américains tués. Maggie, soignée à l'Ermitage Hôtel de Saint-Nazaire par un médecin allemand, se souvient des mots de son ennemi. « Nous sommes ennemis, mais je suis docteur avant tout. Je ferai mon maximum pour sauver votre bras. » Son bras en effet sauvé, il est transféré, après 2 mois et demi de soins, dans un camp de prisonniers où il restera jusqu'à la capitulation de l'Allemagne en 1945. Alors comment est-ce possible de survivre à une chute libre de 6000 mètres ? Il faut savoir que le cas de Maggie n'est pas un cas isolé. Durant la Seconde Guerre mondiale, énormément d'aviateurs ont choisi de sauter dans le vide sans parachute plutôt que de périr brûlés dans leurs avions. Le nombre très important de cas de sauts sans parachute ont fait que, statistiquement, il y a quelques rares fois où les sauteurs ont survécu. Ce fut le cas d'Ivan Chisov, en 42, qui survit cependant avec quelques blessures à un saut de 7000 mètres depuis son bombardier Ilyushin 4, ou Nicolas Hackelmaid, qui sort totalement indemne d'une chute de 5500 mètres, grâce notamment aux branches d'arbres et à l'épaisse poudreuse qui lui sauve la vie. Pour ce qui est de Maggie, il avait la chance de porter énormément de vêtements en raison des températures glaciales à bord de la Bolterette, ce qui l'a bien protégé lors de l'impact avec la verrière, qui a elle aussi contribué à amortir une partie de l'énergie de sa chute. Mais ces cas restent des coups de chance énormes. Mais au final, quelle altitude vous tue ? Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas uniquement l'altitude qui est responsable, tout comme la vitesse n'est pas la seule responsable de la gravité d'un accident de voiture. Ce qui compte, c'est l'énergie à l'impact et la vitesse de chute. Dans le cadre d'une chute libre, la position et la forme du corps va influer sur votre vitesse. La hauteur de la chute aussi, puisque quand un objet tombe, il accélère vers la Terre jusqu'à atteindre ce qu'on appelle la vitesse terminale. Celle d'un humain est d'environ de 200 km/h quand il est en position horizontale. C'est sa vitesse de chute maximale. Si on prend Alan Maggie, en tombant à plat, il a accéléré dans sa chute durant environ 500 mètres jusqu'à atteindre les 200 km/h. Là, il conserve cette vitesse de chute jusqu'au sol. C'est ce qui fait que s'il avait sauté du bombardier plus bas, disons à 600 mètres du sol, sa vitesse de chute à l'impact aurait été exactement la même. En revanche, en sautant de 400 mètres, il aurait touché le sol à une vitesse inférieure, vu que son corps n'aurait pas eu le temps d'accélérer jusqu'à la vitesse terminale. Et c'est là qu'on en vient au mythe assez connu du chat qui retombe toujours sur ses pattes. En 1987 est menée une étude par l'Animal Medical Center de New York. On a constaté que depuis que les bâtiments gagnent de la hauteur dans la ville, les chats tombant d'une hauteur supérieure à 7 étages ont plus de chances de survie. C'est dû au fait que la hauteur laisse le temps au chat de se retourner et d'étendre ses membres pour augmenter sa résistance à l'air et ainsi avoir une vitesse terminale non létale d'environ 100 km/h. Bien sûr, aucun chat n'a été délibérément jeté de bâtiment pour l'expérience, l'étude se concentrant sur les cas accidentels recensés.
On peut alors conclure qu'au-dessus de 7 étages, un chat peut survivre à une chute. La vitesse terminale et la bonne position adoptée par le chat étant atteintes à partir de là, un chat pourrait survivre à des chutes bien plus élevées. C'est ainsi qu'on a vu un chat survivre à une chute de 32 étages, et théoriquement, si ce chat-là était tombé, il aurait eu beaucoup plus de chances de survie également. Mais attention cependant, car encore une fois, il y a une combinaison de facteurs qui détermine les conséquences d'une chute. Tous les chats ne survivent pas à une chute de plus de 7 étages, comme tous les hommes ne meurent pas d'une chute de 6000 mètres. Au final, le cas d'Alan Magee est un coup de chance incroyable, une combinaison de facteurs qui ont fait qu'il a survécu miraculeusement à sa chute. La vitesse terminale humaine, qu'il a atteinte, aurait dû lui être fatale, mais heureusement, il est tombé sur une verrière et non un trottoir. La morale de cette histoire est que ce n'est pas uniquement la chute qui importe, mais aussi la manière de toucher le sol. Et qu'il ne faut pas sauter dans le vide. Que vous soyez un humain ou un chat, ne faites pas ça. Et ne le faites pas aux autres, ni aux humains, ni aux animaux. J'espère que vous aurez aimé cette histoire de vol qui sortait un peu de l'habituel. Merci à NordVPN pour son soutien à la chaîne. Ils vous offrent à cette occasion une réduction de 75% sur l'abonnement 3 ans à leur service en allant sur nordvpn.com/stardust avec en plus un mois gratuit si vous utilisez le code Stardust. En gros, ça vous donne un VPN performant, rapide et sécurisé pour moins de 3€ par mois et ça vous permet par exemple, si vous allez en Chine, de partager vos meilleures photos d'un morceau de fusée qui tombe sur la maison d'un villageois avec le monde entier. Et oui, ça marche même en Chine. Et pour ceux qui se disent « Ouais, mais attends Vincent, si je mets NordVPN sur mon ordi portable, je pourrais pas poster mes selfies avec des fusées sur Insta parce que j'utilise mon téléphone. » Eh bien ne t'inquiète pas, ton compte NordVPN est valable pour 6 appareils. Perso, même moi qui vis dans une villa de luxe à Hollywood, j'ai pas 6 appareils. Ouais, bon, ok, je vis pas aux États-Unis, mais avec nordvpn.com/stardust et le code promo Stardust, eh ben vous aussi vous pourrez faire semblant d'avoir percé dans le game. Bref, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, on ne lance pas les chats ni les humains dans le vide. Jouez avec un VPN, c'est plus safe.